front m'interpelle. Soit c'est le keuf, soit c'est une jolie demoiselle. Oh là là. Salut à tous, c'est Lazo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, donc pour une très très bonne partie, donc une nucléaire, je vais vous le dire direct. Donc sur Nuketown, c'était le mode 24-24 de Nuketown, donc c'était sorti il y a quoi, il y a peut-être une semaine sur BO4. Et genre c'était vraiment, je crois qu'il y avait double XP, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait double XP. Et donc voilà, donc je fais une très très bonne partie avec une nucléaire, comme je l'ai dit. Donc c'est avec la KN44... après c'est une variante d'arme, donc si vous la reconnaissez pas c'est normal. Donc j'avais tir rapide dessus il me semble, j'avais des atouts assez puissants. Et je pense, je sais plus si ma série je la commence dès le début de la partie ou vers le milieu, mais elle a été quand même assez rapide sur surtout Nuketown quoi en gros. Et c'était, je crois que c'était du MME, ouais c'était ça, c'était du MME je crois. Je vais regarder, ah non c'est de l'élimination confirmée, il y a des plaques par terre. Donc c'est en élimination confirmée. Et donc voilà, donc moi je vais vous parler dans cette vidéo de ma chaîne, donc ce qu'elle va devenir, tout ça. Donc je vais vraiment me reconvertir vraiment en Call of Duty, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo. Je vais faire que ça, du Call of ou du Battlefield, que des FPS, plus des jeux comme Fortnite ou quoi, à moins de faire des let's play en duo, donc avec une personne sur des jeux de type. Des jeux de type genre campagne, genre que de la campagne en fait. Je préférerais faire ça que par exemple faire des trucs sur Fortnite, des tournois ou je sais pas quoi. Moi ça m'intéresse plus tant que ça. Et voilà, je vais essayer de percer avec ce genre de vidéo et j'espère que ça va marcher. Parce que quand même, percer grâce à Call of ou percer grâce à du Let's Play, c'est quand même beaucoup plus compliqué en France que de percer par exemple sur Fortnite quoi, j'ai envie de dire. Il y en a tellement qui se sont fait connaître grâce à Fortnite. Enfin bref, ils ne méritent pas tous, mais bon, on va pas plus s'attarder sur ça. Ouais, donc voilà, moi je vais pas faire la facilité, vraiment. Call of Duty, Modern Warfare remasterisé, le nouveau Call of si vraiment j'arrive à y retourner dessus. Parce que j'ai beau avoir un ratio de 4-24, c'est pas ce qui me donne en vrai envie de rester sur le jeu. Parce que le matchmaking, moi je tombe que sur des niveaux 150, je suis niveau 134, je tombe que sur des niveaux au-dessus de 100, au bout d'un moment c'est pas drôle. J'ai envie de jouer tranquille, sans jouer ma putain de vie, comme sur Black Ops 4, à la tranquille, comme ça. Vous voyez, là, je joue avec Ajax, parce que je me dis, ouais, sur Nuketown, Ajax, je lance des petites flashs, des petits trucs, c'est cool, ça fait des points, ça fait des séries, ça fait des kills, quoi. Sur Nuketown, c'est un peu le but, tu joues avec des séries, tu fais beaucoup de kills, et tant mieux, tu vois. C'est à peu près ça que je recherche sur un Call of, et pas, genre, camper comme une merde pendant toute la partie. Enfin pas camper non plus hein, mais genre enfin vous m'avez compris, rester sur un secteur, par exemple dans un Nuketown, je resterai par exemple que dans la maison verte, celle-là là, pendant toute la partie, c'est pas amusant quoi. Donc voilà, donc là je sais même pas, je suis en série de combien, je vais essayer de voir. Non j'ai pas de médaille. Non, je sais pas du tout, mais je pense que là je dois être en série de 15 peut-être. Implacable, ouais, donc je suis en série de 20 là. Donc là je suis déjà en série de 20, vous voyez, ça va quand même assez rapidement, il n'y a aucune camp, vous voyez bien, je sais jouer à Call of, ça se voit. Donc pour ceux qui critiquent là, que je campe tout ça sur Modern Warfare, vous avez la preuve que non. Donc je sais jouer sur tous les Call of, je joue depuis quoi? Je joue depuis Code 4 en ligne. Enfin j'ai commencé très jeune, donc je crois que j'ai commencé à la sortie de MW2 ou de BO1 en ligne. Il me semble que c'est BO1 en ligne, mais genre après je suis reparti sur Code 4 et tout ça. Sinon je jouais déjà avant en solo. Mais voilà, donc ça fait quand même un moment que je joue à Call of, je m'y connais quoi dans le truc. Et voilà, donc il n'y a pas à parler sur le gameplay, genre Modern Warfare c'est complètement différent, c'est vraiment pas du tout le même jeu. C'est pas c'est un Call of Duty, on est d'accord, mais c'est pas les Call of qu'on connaît, donc faut s'adapter, j'ai peut-être 200 de score par minute. J'ai envie de vous dire, et alors, sur celui-là j'ai bien 400 et quelques. Et pourtant, mon style de jeu, j'ai essayé d'avoir le même style de jeu sur BO4 que sur Modern Warfare. Mais sur Modern Warfare, c'est pas possible. Donc, faut s'adapter à la situation, aux joueurs d'en face, surtout aux joueurs d'en face, parce que vous avez beau être un très très bon joueur, un très bon rusher. Si le mec campe dans un coin, dans un endroit sombre, je suis désolé les mecs, mais c'est la mort, quoi. J'ai envie de te dire, à moins que vraiment le mec s'est pas visé. Donc là vous allez voir, je crois que c'est là que je vais sortir la nuque. Ouais, il me semble que ça va être ici, hein. J'y suis pas très loin, je dois être à 28 là.
Ou je suis peut-être en brutal, je sais pas, mais bon, je suis quand même très très près de la nucléaire. Donc c'était ma deuxième partie donc sur BO4 depuis la sortie de Call of. Ma deuxième partie, je tape la nuque. J'en ai pas fait beaucoup sur ce Call of des nuques, en même temps je les joue vraiment pas. Donc là vous voyez, là on voit pas les médailles, hein, je suis désolé. Ah, voilà, nucléaire, bon, je le tue et je me fais tuer juste après. Donc voilà, c'est une petite nucléaire assez sympa, j'ai envie de vous dire. Et je vais rester jusqu'à la fin du gameplay parce que c'est quand même un très bon gameplay. Donc c'était en élimination confirmée, je le redis pour ceux qui n'avaient pas cramé ou capté. Et voilà quoi. Donc je vais continuer de faire du Black Ops 4 parce que c'est quand même un très bon jeu. Et je suis niveau 100 dessus. Maître Prestige, tout ça. Et je pense vraiment que BO4 pour moi est quand même un peu mieux que Modern Warfare. Même si les deux, bah, ils se valent pas vraiment. Mais genre, Modern Warfare c'est quand même très très. C'est plus orienté réaliste, j'ai envie de dire. Plus orienté force la camp, joue à la claymore, joue comme un chien, bouge pas de ta game. C'est plus ça que Black Ops 4 en mode on les voit tous, même ils ont des petits trucs, des petits points rouges sur eux, on les voit. Donc c'est 1000 fois mieux qu'un mec qui campe allongé dans l'herbe, quoi, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc là c'est la kill cam et je vais essayer de voir le score, mais il me semble que c'est quand même un très bon score. Donc bah, avec une nuque et puis des hélicos qui font un massacre, ça fait pas mal de kills. Donc là c'est toujours pas une vidéo avec un thème, c'est juste pour vous dire ce que je vais faire, donc comme je vous ai dit. Hein. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires et de s'abonner, de mettre la cloche, je vous le dis jamais, mais si vous pouvez le faire, ça m'aiderait vraiment. Et merci à ceux qui le feront. Donc là on va voir le score normalement. Si ça veut bien s'afficher. Alors putain mais on le voit même pas. Je sais même pas si j'ai fait select. Je vais regarder. Ça va arriver. Ah, désolé les chargements, c'est un petit peu long sur Black Ops 4. Donc voilà. Ça va arriver. Hop. Donc j'ai fait du. Ah, donc vous voyez, on voit bien la médaille nucléaire, je l'ai vraiment faite. Hein. Donc j'ai fait du 72-2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Lazo. Ciao!